السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. On continue les vidéos d'écriture. Passons à la lettre Dal, qui est la sœur jumelle de la lettre Dal, sauf qu'elle a un point en haut, et dont la prononciation, elles sont proches, sauf qu'avec le Dal, on sort la langue. On y va. On commence par le dhal isolé. Donc on prend toujours le crayon sur la petite ligne en haut et on descend vers la grande ligne, on va vers la gauche. Après on écrit le point en haut. C'est ça la différence entre le dhal et le dhal. Le point et on sort la langue. Le dhal isolé encore. Donc on écrit le dhal et on n'oublie pas le point en haut. Le dhal au début du mot, regardez comment ça s'écrit, c'est pareil comme isolé. Pourquoi? Parce que le dhal, elle ne s'attache pas après. Donc, j'écris le dhal avec un point en haut. Le dhal au milieu, regardez bien, toujours on commence avec un trait avant, on monte un petit peu. Après, on redescend, on va vers la gauche. Et le point en haut toujours. Le dhal à la fin, regardez bien comment ça s'écrit. Donc, c'est comme le dhal au milieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'attache pas après. Donc, on commence par un tiret avant, on monte, on descend et on va vers la gauche. Après, on écrit un point en haut. On passe pour écrire les mots. Donc, je commence par le premier mot. Donc, le mime. Après, c'est le dhal au milieu. Donc, le mime. On va vers la gauche. On monte pour écrire le dhal. On va vers la gauche encore. On n'oublie pas le point en haut. Med. Après, on écrit le h. Et on attache avec le b. H. Et le b, toujours le point en bas. Bon. Le mime, mubadhirun, on écrit le mime, regardez bien. On attache avec le ba et le dhal au milieu. Et parce que le dhal, elle ne s'attache pas, donc le ra, on écrit isolé. Et on n'oublie jamais le point de ba. Troisième mot, vaoukon. Donc le dhal au début, c'est comme le dhal isolé. Voilà. Après, on n'oublie jamais le point en haut avec fetha. Le dhal, il ne s'attache pas après. Donc le waou, on écrit isolé. Et le waou, il ne s'attache pas après. Donc le kaf, on écrit isolé. Avec deux points en haut. Vaoukon. On passe pour écrire le quatrième mot. Donc le dhal au début, comme on a dit, c'est pareil comme isolé avec un point en haut et le fatha. On écrit le ya, on attache avec le lam à la fin. Avec deux points en bas de ya, dhai lun. Cinquième mot, le shin au début et le dhal à la fin. Shin avec trois dents. On attache avec le dhal à la fin. Trois points en haut de shin. Comme ça, on ne se mélange pas avec le sin. Et le dhal avec un point en haut. Shadda et fatha. Dernier mot. Dharafat. Le dhal au début, c'est comme le dhal isolé toujours. Avec un point en haut. Elle ne s'attache pas après. Donc, on écrit le ra isolé. Le ra, elle ne s'attache pas après, donc on écrit le fa au début du mot. On enchaîne avec le ta à la fin. Le fa comporte un point en haut, dharafat, et le ta, deux points en haut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.